tout le monde, c'est Sergent Serge. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un petit jeu d'horreur qui est très sympa. Donc, c'est Haze, The Horror Game. Donc, c'est parti. Donc, je vous explique vite fait le but du jeu. Donc, le but du jeu, c'est de ramasser des sacs dans une maison sans se faire attraper par une espèce de dame blanche. Donc, le mode facile, on doit ramasser 12 sacs. Le mode normal, on doit en ramasser 20. Et le mode dur, on doit en ramasser 30. Donc, pour commencer, je vais faire le mode facile. Et après, je vous ferai des autres vidéos en mode. Enfin, tant que j'ai. Par exemple, si à cet épisode, j'arrive à faire le mode facile. On passera au mode normal. Par contre, si j'échoue deux fois, on passera au mode... Enfin, on restera sur le mode facile. Voilà. Donc, c'est parti. Moi, ça me fait plaisir de jouer à ce genre de jeu parce que... Ça change un petit peu de mes habitudes parce que j'ai pas trop l'habitude de jouer à des jeux d'horreur. Bah, tant mieux. Comme ça, en même temps, je le fais avec vous. Donc, c'est parti. Rien ici. Il faut vraiment fouiller le moindre coin parce que si on perd un sac, bah... On sera obligé de revenir tout à l'heure. Donc, pourquoi revenir... au risque de se faire attraper par la créature, alors qu'on peut les avoir maintenant. Presse M. D'accord. Quelle jolie carte. On va tout de suite aller ici. On peut déjà voir qu'il y a un sac ici, donc vous voyez, 2 sur 12. Ok. Il y en a un autre là-bas. Bon, bah pour l'instant, c'est, faut dire, on vient de commencer. Ok, un autre là-bas. Je parle pas trop parce que je me concentre surtout. Parce que si elle arrive, on est plutôt mal. Voilà, j'aurais pas dû parler. Attendez. À moins que. A priori, c'est bon. 6 sacs sur 12, la moyenne. Écoutez, on est déjà à 2 minutes de vidéo, on a déjà à la moitié des sacs. J'espère que la vidéo serait quand même plus longue que 4 minutes, mais bon. Je pense que oui. Parce que c'est pas gagné encore. Hein. Moi, je vous le dis. Je sens que les choses vont se corser maintenant. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je disais? Voilà. Bon, quand les murs tremblent et tout, enfin, quand les objets tremblent, c'est qu'elle est pas loin de nous. Quand il y a écrit run en haut de l'écran, c'est qu'elle est vraiment près de nous. Et si des fois, vous voyez, sur les murs, il y a des yeux rouges, on peut les prendre. Et vous voyez qu'en haut à gauche... Il y a un œil dessiné avec un 0 à côté, donc si j'en ai un, bah, il y aura un 1 à la place du 0, forcément. Et si j'appuie sur la touche Q, bah, je peux me mettre à la place du monstre, en fait, voir où il est. Voilà. Bon, bref, assez discuté. Oh my god, à chaque fois que je veux sortir, elle vient. C'est pas possible. Ferme la porte. Écoutez-moi son cri horrible. Attendez, on peut peut-être essayer de la voir ici. Comme ça, au moins, on pourrait la voir une fois dans la vidéo. Même si je pense qu'on la verrait. Il me faudra un œil, en fait. Il me semble en avoir aperçu un. Moi qui voulais aller à l'étage, elle est à l'étage. Donc, pour l'instant... Ah, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, les amis. Attendez. C'est pas que j'ai peur, mais c'est que si j'y vais, on risque de perdre, en fait. Donc, vaut mieux prendre notre temps. Et gagner que de speeder comme un malade pour dire je suis le meilleur, voilà. Qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Enfin bref. Vous savez quoi, allez, hop. Non. Voilà. Ok, bon, voilà. Donc, c'est un échec, hein. Donc bien sûr, je vais recommencer. Comme si j'allais arrêter là. Jamais de la vie. Un sac ici. Bon, cette fois-ci, on va un petit peu plus speeder. Maintenant que je vous ai appris un petit peu les règles du jeu. On va se dépêcher. On va tout de suite aller ici. Un sac. C'est vraiment speed, hein. On va essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Pas de sac, tout à l'heure il y en avait un ici. Donc si vous voulez le jeu aussi, il sera dans la description, bien sûr, il est gratuit. Free to play, voilà, dans la description si vous voulez jouer au jeu. En tout cas aussi, je vous souhaite de très bonnes fêtes parce que là aujourd'hui, bah, on est le 25, puis le 25 c'est Noël, bien sûr. Donc je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année même, hein, si vous regardez la vidéo...
Bah, le 31 décembre. Donc là, je sais pas ce que je fais. J'aurais peut-être pas dû passer par là. Ok, il y a une porte. En fait, j'ai bien fait de passer par là. 8 sacs sur 12. Ok, 10 sacs. Il nous en manque plus que 2. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas y aller, non? Non, c'est bouché. On a dit. Ah, tiens, hop. Ça va me permettre de voir où elle est. On en a 2 en plus. J'avais même pas fait. Et bah voilà, on a les 12 sacs. Ok, donc je vais appuyer une fois sur. Attendez, non, non. Je le ferai en bas, ça. Elle descend. Hop. Alors, voyons voir où elle est. Elle est dans la cave, ok, c'est bon, allez. J'espère qu'elle va pas monter les escaliers parce que sinon. Là, on a 12 sacs. Oula, où c'est que je vais, moi? On a 12 sacs, ce serait quand même dommage de perdre. Alors là, si on perd, je crois que. Que ça va être une rage extrême. Du coup, maintenant, je stresse en maudit. Attendez. Là. Elle redescend dans la cave. Ok. Tout est correct pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Parce qu'on n'a pas fini encore. Ah non. J'ai cru qu'il y avait le monstre, mais en fait, non. C'est lui qui a essoufflé. Je le fais trop courir. Oh! Elle est juste là, la porte. Voilà. Ok. Donc, on a enfin réussi ce premier épisode. Donc, je ferai plusieurs épisodes dessus. Donc, normalement, il y en a 3. Hein. Un en mode facile, un en mode normal. Et un en mode dur, donc si j'en revue, j'en referai un petit peu plus, mais pour l'instant, c'est prévu qu'il n'y ait que 3. Donc, pour ce premier épisode, c'est une réussite, entre guillemets. On a échoué au début, mais on a réussi après. J'ai envie de dire heureusement quand même, parce que si on n'arrive pas au mode facile, je me demande ce que ça aurait été, pardon, pour les modes suivants. En tout cas, on a réussi, voilà. Donc, si cette petite vidéo sur ce jeu vous a plu, lâchez un pouce bleu, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!